Dis-moi, pour toi, un acte sexuel, ça doit durer combien de temps? Ok. Il faut combien de minutes pour te mettre KO? Le premier coup, c'est 5 minutes. Non, 5 minutes, tu es KO. C'est fini. Le premier coup, 5 minutes, c'est fini. Le deuxième coup, on peut passer même toute la journée là-bas. Donc, la vidéo là, c'est la pâte. Toute la journée. Donc, tu aimes ça? J'aime pas quoi. Tu aimes? J'aime jusqu'à. Ouais, j'aime le feu sort, j'aime la chose la mal. Waouh! Je sais seulement que lui il doit être prêt physiquement. Waouh! Tu es de quelle origine? Je suis de l'Ouest Cameroun. Pour vous, l'acte sexuel peut durer combien de temps? Un acte sexuel normal peut durer combien de temps? Bah, généralement pour moi 30 minutes. Ça me concerne pas. Ou bien tous les coups 30 minutes. En général. En général, vous prenez 30 minutes. Mais si c'est le premier coup, 30 minutes. Non, premier coup doit durer maximum 5 minutes. Si c'est trop, c'est 5 minutes. Yeah, donc, maintenant, maman. Au deuxième coup, les autres coups, qu'on peut pouvoir exprimer son savoir-faire, écouter sexuellement. Ok, d'accord, merci beaucoup. Oui, j'aimerais savoir, pour vous, un acte sexuel peut durer combien de temps? Un acte sexuel? Oui. Ça dépend. Ça dépend de l'aptitude du garçon. Oui, vous pouvez durer combien de temps pendant l'acte sexuel? Ça dépend de ma forme du jour. Oui, votre forme, vous avez été en pleine humeur, bonne humeur. Quand je suis en bonne humeur, oui. Bon, ce sont les choses qui ne prennent pas le temps de chronométrer. Moi, je pense que c'est le premier coup en général. En général, on peut même faire ça toute la journée, non? Il y a quoi? Toute la journée. Tenir combien de coups pendant une journée? Non, mais... quand même. Beaucoup de fois, j'ai 10 coups en une journée. Non, oui, mon frère, c'est quoi? Mais c'est quoi? Je suis super papier, je suis pas chier, mon frère. Pour vous, un acte sexuel normal peut durer combien de temps? 20 minutes. Un acte sexuel normal, je vais dire pour vous mettre KO, ça peut faire combien de temps? Une heure. Ma femme m'a commandé sur moi. Donc vous pouvez tenir une heure de temps à faire l'amour sans être fatigué, quoi. Oui. Wow, ok, merci beaucoup. Mais KO, il vous faut combien de temps? Moi je pense que ça dépend beaucoup plus de la tête, ça dépend de la forme du jour. Vous voyez un peu, parce qu'en général, ça dépend si vous avez beaucoup de problèmes à l'intérieur, le bas ne suit pas. Des fois, vous pouvez généralement partir entre 5 et 10 minutes, ça dépend de... 5 à 2 minutes pour le premier coup ou bien? Non, généralement, si quelqu'un part plus de 5-10 minutes, d'après moi, ça veut dire qu'il a pris il a pris quelque chose. Normalement, je ne suis pas médecin, mais je côtoie beaucoup de médecins, c'est généralement 5 minutes. Minimum 5 minutes. Ok, d'accord. Un rapport sexuel normal doit durer combien de temps? Là, je ne sais pas. Pour être franche, je ne sais pas. Ça dépend de chacun, donc je ne sais pas. Et vous, il faut combien de minutes pour vous mettre KO? Oh là là. Je sais pas. Oui, mais dis-nous, parce qu'en fait, toutes celles qu'on a abordées nous ont dit, d'autres ont dit 15 minutes, 1 heure, et vous, il vous faut combien de temps? Ah, je sais pas, peut-être ça dépend de l'humeur en tout cas. L'humeur, non, ça dépend de bien, le temps, oui. Et si vous êtes de bonne humeur? Ah, on fait avec. Là, il n'y a pas une durée précise. Non, il n'y a pas de durée précise. Et si vous êtes de mauvaise humeur? Ah, ça passe ou ça casse? Pas sous sa casse. Mm-hmm. Un rapport sexuel normal doit durer combien de temps? Bon, selon les sexologues, d'après ce que j'ai lu, un rapport sexuel au maximum doit faire 15 minutes. Bon, toi, il faut combien de temps pour te mettre KO? 10 minutes. Non, 10 minutes, tu es fini. Et c'est off. Non, attends, on parle de la durée totale, pas du premier coup, de tous les coups. La durée totale? Oui. Bon, 30 minutes. Hein. Donc après 30 minutes, tu dis tu ne veux plus? Je ne suis plus là. Ah, ok, mais...